Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur les recherches de Natacha Ray. Vous savez qu'elle avait enquêté sur Brigitte Macron et elle avait notamment mis en ligne, euh, affirmé certaines choses. Ce que je me propose de voir avec vous, c'est non pas euh, ce qu'elle devient, laissons la tranquille. Mais ce que je me propose de faire, c'est de regarder, eh bien, quels étaient les éléments qu'elle avait réellement. Comment a évolué son enquête sur Brigitte Macron Et c'est d'ailleurs par cette par ce tirage que je vais commencer. Désolé, je cherche parfois mes mots, mais j'essaie toujours de garder quelque chose de précis en tête. La question que je vais poser à l'oracle comment ont évolué les recherches de, Nat de Natacha Rey sur Brigitte Macron. En fait, ce que je veux savoir, c'est s'il y a des éléments sérieux dans les recherches de Natacha Arré, ou est-ce que ce sont des affirmations gratuites, des suppositions. Donc, vous voyez une idée de vengeance, peut-être. Allez, j'invente un petit peu les mots. Mais tout simplement pour essayer de comprendre... Comment a fonctionné Natacha Ray N'oublions pas que elle s'est déclarée journaliste alors qu'au départ elle ne l'était pas. Ça n'empêche pas qu'elle peut faire des recherches et trouver ou pas des choses intéressantes. Vous voyez que là l'oracle nous met sur quelque chose direct, quelque chose d'important. Il semble que Natacha Ray ait eu une forme de d'information qui vient bouleverser les choses. Cette carte nous montre l'accident. C'est un petit peu l'équivalent de la tour Dieu dans le tarot. Ou de la tour de la maison Dieu, pardon, ou de la tour dans le tarot. Je mélange les deux. Qui sont la même carte d'ailleurs. Ça dépend des versions de votre tarot. Ici, nous avons l'action. L'action, ça veut dire que Natacha n'a rien cherché et qu'à un moment, on vient l'impacter. On vient lui montrer quelque chose, lui donner des éléments. Des éléments qui remettent tout en cause. On a l'impression qu'elle est frappée par les éléments qu'on lui met. Ce qui montre que quelqu'un, visiblement, a fait des révélations, lui a dit des choses, mais il lui aurait donné aussi des éléments. Parce que sinon ça ne l'aurait pas impacté autant. Il y a donc bien un point de départ très clair. Un point de départ sur toute cette affaire. Qui montre une fuite dans l'entourage du couple Macron. Une fuite non pas directe sur Nata Charé. Mais vous le savez, comme dans toutes les affaires, il y a des fuites et après ça se propage. Le problème c'est quand ça se propage. C'est plus ou moins vrai. Faites l'expérience, rapportez une histoire de deux ou trois phrases avec une personne et faites-la raconter sur 100 personnes. Vous verrez que la centième, il y a des choses qui vont être différentes. Plus ou moins. Selon la teneur des interlocuteurs de chacun. Là, elle a des informations indirectes, mais... Quelque chose l'impacte si fortement que tout se remet en question en elle. Et donc, forcément, ça l'intéresse. Elle n'a beau ne pas être une, une journaliste au sens premier du terme. Elle a quand même des convictions. Elle se pose des questions. Il y a chez elle une envie, allez, on va dire de fuir un petit peu, sans que ça soit péjoratif. Elle a envie d'éclaircir cette affaire parce qu'elle sent que c'est énorme quelque part alors ce qui va contre ce quelque part c'est que elle ne bénéficie pas d'un réseau suffisamment grand natachari n'est pas grand reporter elle n'a pas de réseau important et tout ça ben finalement, sa recherche, même si on en a entendu parler, puisqu'il y a eu un procès contre elle, procès qui n'a rien donné pour Brigitte Macron d'ailleurs, hein, puisque euh, Natacha Réoui a, euh, a été relaxée, n'a pas été condamnée, Brigitte Macron a donc été déboutée, et là, on sent quand même qu'elle manquait de réseau. Son affaire a été médiatisée, c'est vrai, en partie. Mais pas dans les médias. Est-ce que vous avez entendu parler de tout ça à TF1 euh, Je ne crois pas. Enfin, c'est vrai que je ne regarde pas, je vous dirais. Peut-être qu'il y a eu quelques mots pour dire que euh, comment ça atteignait Brigitte Macron, mais il me semble qu'il n'y a pas eu grand-chose. Et surtout, ça n'a pas été relayé. On aurait pu attendre de grands reporters s'intéressant, ben, reprenant un petit peu les choses finant eux autour aussi. Et on peut se dire qu'ils ont plus de contacts que Natacha Ré. Vous voyez, on n'a pas senti les médias autorisés à regarder dans cette affaire. Et elle, Natacha Ré, s'est restée beaucoup trop cloisonnée pour elle. Elle n'a pas pu faire autant de recherches d'ailleurs qu'elle le souhaitait parce que directement, elle s'est confrontée à un mur. Finalement, on peut se poser une question simple. Pourquoi... Ne pas laisser Natacha aller jusqu'au bout s'il n'y a rien à cacher. Vous comprenez l'idée Si, même si ça peut paraître embêtant, je veux dire, on enquête sur vous si vous n'avez rien à vous reprocher. N'oublions pas que nous parlons de personnages publics. Quelle, est Quelle importance Invitons-la même à l'Élysée et puis parlons avec elle. Montrons-lui que tout est en ordre finalement. C'est le meilleur moyen de désamorcer une situation. Là, visiblement, on a voulu mettre des barrières vis-à-vis -vis de ce que pouvait chercher Natacha Ray. Alors, le conseil le conseil, c'est d'avancer. C'est ce qu'elle a fait elle a avancé jusqu'au bout. C'est le sens du conseil. Maintenant, le conseil sur quelque chose qui s'est passé, ça n'a plus d'importance, mais on lui aurait continué. De... On... Vous voyez bien que quelque part, l'oracle est logique. S'il y avait eu risque de prison pour elle, l'oracle, on aurait trouvé ici une carte où il fallait tout arrêter. Là, l'oracle lui dit, ou plutôt on lui aurait dit, de continuer et de ne pas se poser de questions. Alors, comment elle a évolué cette de cette affaire regardez c'est intéressant Natacha Ray a été bloquée en réalité on a voulu mettre une chape de plomb sur tout ça et on n'a jamais permis à cette femme d'aller au bout de son enquête elle a certes des certitudes elle a eu visiblement à un moment donné des informations indirectes mais ces informations indirectes, jamais elle n'a pu, quelque part, aller au bout des choses. Ce qui me gêne, moi, dans ce tirage, c'est que ça montre une forme d'omerta, une forme de chape de plomb, où on n'a pas laissé, il ne s'agissait pas, c'est pas comme si tous les quatre matins, il y avait quelqu'un qui venait toquer à votre porte pour vérifier votre votre identité sexuelle. Là, il y avait une affaire, quelqu'un a laissé fuiter des choses et a rapporté des choses à Nata on aurait pu aussi se dire c'est une personne malveillante. Contrôlons ce qu'elle a à dire. Il y a une forme de logique, puisqu'on vous dit quelque chose, quand on veut faire un travail de journaliste, qu'on soit journaliste ou pas, c'est l'idée de, de chercher un petit peu à en savoir plus. Et là, ce qui me gêne, eh c'est qu'on met des barrières. On met des barrières systématiquement. On cache quelque chose. Et forcément, quand on se dit on me cache quelque chose, chaque personne a envie d'en savoir plus. Ça, c'est humain. Et puis vous voyez ici, tout ça, c'est la famille. Et cette carte est au centre. Et si on réfléchit bien, tout est au centre d'une famille qui se nomme la famille Trogneux. Il y a des secrets. Il y a énormément de secrets. Et ce que je vous propose d'ailleurs, eh c'est dans une vidéo, sur la prochaine vidéo, de regarder les secrets de la famille Trogneux. Parce qu'elle est au centre ici. C'est elle qui est celle qui garde les secrets. C'est toute cette famille Trogneux qui met des barrières. N'oublions pas que Brigitte Trogneux... Fait partie de la famille Trogneux. Donc elle aussi est à la manœuvre pour garder les secrets. Bien sûr, il y a Emmanuel Macron. Mais la base de tout, c'est la famille Trogneux. C'est là qu'il faudrait aller chercher, car c'est eux qui tirent les ficelles. C'est eux qui tirent les ficelles, c'est eux qui mettent les bâtons dans les roues, et c'est eux qui sont les gardiens du secret. Mais retenez bien, il y a eu une fuite. Et si vous regardez, c'est en lien avec ce qui s'est passé avec Isabelle Ferreira. J'ai fait la vidéo. Elle est en ligne juste avant celle-ci. Donc vous voyez bien que tout est lié, encore une fois. Toute cette affaire, c'est une forme de secret d'État. Secret privé, certes, c'est vrai, mais secret d'État. Car si on voulait que ça reste privé, il ne fallait pas devenir un personnage public. C'est bien là la différence. C'est bien là toute la différence. On ne s'intéresse pas à toutes les personnes transsexuelles vivant en France. On s'intéresse à une personne en particulier qui est un personnage public. Et à la limite, je dirais... Elle dirait qu'elle est transsexuelle avec euh, Emmanuel Macron. Bien sûr, ça choquerait. Mais il n'y a rien de répréhensible là-dedans. Sauf l'âge d'Emmanuel Macron à leur rencontre. Et vous voyez que toute l'ambiguïté est là. Toute cette affaire, c'est une énorme ambiguïté. Je vous donnerai rend donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. Très bientôt. Allez, je vous embrasse. N'oubliez pas, vous pouvez m'écrire sur gmail.com si vous souhaitez des voyances gratuites pour vous. Question précise. Avec votre date de naissance. Et j'insiste bien, question précise. Je vous donne rendez-vous à bientôt.